on dit que le pain qui est cuit avec un four qui a été chauffé au fagot est meilleur que l'autre. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, le pain rond surtout est meilleur parce qu'il se conserve beaucoup plus longtemps. D'abord qu'il est fabriqué au levain, ce qui demande une grande préparation, une longue préparation, parce que les levains sont faits le soir. Ensuite, il faut commencer à 1 h du matin pour avoir la première fournée cuite à 7 ou 8 heures. Donc, il faut compter au moins 7 heures de fermentation pour avoir un bon pain au levain. Dites-moi s'il y a des trous dans votre pain. Ah oui, beaucoup. Comment ça se fait, ça? Ah ben parce que je n'arrive pas à expliquer tout. C'est un métier d'artisan. Il faut beaucoup de temps pour l'apprendre d'abord. Vous me On appelle disiez. ça des alvéoles. Et ces trous-là, justement, qui empêchent et qui donnent la saveur du pain. Parce qu'un pain qui n'a pas de trous n'est pas bon. Cette fabrication n'est plus rentable. Alors pour gagner sa vie, il faut suivre le mouvement. Alors les fours sont chauffés comment maintenant? Bien, nous allons chauffer sans doute avec les fours extérieurement, les fours à vapeur, etc. Les fours à recyclage, parce qu'il faudrait bien se conformer ou abandonner cette méthode, abandonner le métier.